suis une femme de principe. Et il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Vous ne comprenez pas? Asseyez-vous, je vais vous expliquer. C'est une femme qui écrit. Elle dit ceci. J'ai 25 ans. Mon homme a 27 ans. Nous sommes en relation depuis 5 ans. On s'est rencontrés sur les bancs de l'université. Depuis qu'on a fini l'université, on a trouvé chacun notre filiation, nos filières. Il a un super bon job. Moi aussi, en tout cas, ça va. Je suis posée dans ma vie. J'ai trouvé un bon travail. Voilà, financièrement, on est à l'aise. Relationnellement parlant, on est au top. Les belles familles sont au taquet. Le sexe, ça va. En tout cas, tranquille, quoi. La relation de 5 ans, qui en vaut la peine. Dernièrement, je dormais. Mon homme m'appelle. Réveille-toi, je t'emmène quelque part. On va aller faire une journée. Là, aujourd'hui, c'est ta journée. C'est une journée spéciale pour toi. Elle dit, ah, mais c'est pas, il n'y a pas d'anniversaire. Il n'y a pas de fête. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on célèbre? Il dit, non, je vais te faire du bien. Je vais te spoil. Aujourd'hui, c'est ta journée. Tu auras une belle surprise. Elle s'est dit, OK. No problem. Elle s'habille, elle se coiffe et tout et tout. Il vient, il passe la pointe, il l'emmène. 5 ans de relation, écrivez-moi ça, 5 ans. Il l'emmène d'abord dans un spa. On lui fait le hammam. On lui fait ceci. Donc, on lui gratte la peau. On gratte les pieds avec des seaux d'eau. Les femmes s'occupent d'elle. On lui fait plein de choses là. Donc, un lavage de corps parfait. Après, on lui met des senteurs. On la lave avec une eau parfumée, avec des roseaux. Donc, quand elle sort de là, elle dit, ma peau sent la fleur. Oh, oh. Quand il a fini avec ça, il m'emmène dans d'autres trucs. Il me fait plein d'achats. Il me fait ceci, il me fait cela. Toute la journée, je te dis, mais c'est quoi qu'on fait? C'est quoi qu'on célèbre, quoi? Tu as une promotion ou bien tu as signé un contrat? Il dit, tu vas bientôt savoir. Vers le soir, à 19h, il me dit, va, je t'emmène à la maison, habille-toi même. Point, habille-toi bien. Ce que vous devez savoir, c'est que tout le long de notre relation avec mon chéri, on se fait souvent beaucoup de blagues. C'est un gros blagueur. Moi aussi, je lui fais des blagues, des trucs. Souvent, on se fait des coups et tout. Pour nous, ça resserre la relation. Donc, on a un peu cet aspect-là caché dans notre relation qui fait qu'on demeure encore complice. Et là, le soir, on mange dans un superbe restaurant, somptueux, très, très, très cher. Vous savez, ce genre de restaurant, quand tu es assis là, tu sais que oui, c'est pas n'importe quoi. Donc, il a dû réserver depuis, je sais pas, 2 semaines en avance et tout, on vient nous traiter bien, on me fait arriver, il se comporte en gentleman, il tire la chaise, je m'assois. Quand je m'assois avant de commander, il me laisse commander. Donc, on vient avec la carte des spiritueux, les vins et tout. En tout cas, charmant. Et puis, il est en smoking, il est superbement bien habillé. Bizarrement, il y a une petite pensée qui commence à passer, qui me dit, de toute façon, on t'a traité toute la journée, là, ma chérie. On dirait que ce sera le pompon ce soir. Ce soir, on va te traiter bien. Donc, moi aussi, je suis assise là. Ah, est-ce que vous pensez ce que je pense? 5 ans de relation. Regardez toute la journée, tout ce qu'il a fait. Comme tout. En tout cas, aujourd'hui, il m'a shower with love. Il m'a mis en haut, ce qu'on appelle célébrer. Oh, oh. Donc, ce soir-là, peut-être qu'il y aura la question de mariage. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé. On n'a jamais parlé de mariage. Ça fait 5 ans, on a vécu notre relation seulement comme ça. Ah, peut-être qu'il va parler mariage. Donc, me voilà assise, en train de commander mon petit saumon, mon petit ceci, mon petit ça. Donc, le meilleur. On a mangé. Et puis, tout d'un coup, on est en train de parler. Puis, il se met debout. Et puis, il sort une boîte. Comme un bijou. J'ai dit, ah, mon cœur a commencé à palpiter. Répète avec moi, papa. Je ne sais pas comment tu vas écrire, mais écris ça. Papa, mon cœur palpite. J'ai dit, oh my God in heaven. Aujourd'hui, lelo et zalelo, licoloyo, mama. On est assis. Donc, je me dis que waouh. Et donc, tout le monde s'arrête dans la salle. Les gens, vous savez, les curieux là, les gens qui aiment le béret comme vous voulez. Chacun sort le téléphone. Bon, peut-être que ça va être, tu vois, non, la news du lendemain, et tout. Mon cœur bat la chama. J'ai dit waouh. Au bout de 5 ans, c'est vrai que je n'ai pas pris pour ça. Je n'ai pas demandé. On vivait notre relation tranquille. Après avoir passé cette journée si merveilleuse, est-ce que je peux dire non? Après avoir eu mon meilleur ami dans ma vie depuis 5 ans, est-ce que. Donc, je dis, je retiens mon siffle. Et puis, il se met à genoux. Et il me fait une déclaration d'amour. Mais digne, mais chevaleresque. Oh my God. Est-ce que tu veux passer le reste de ta vie avec moi? S'il te plaît, je t'en prie, dis oui. Et moi aussi, emportée dans tout. Je fais sortir les larmes ici et devant. Les larmes coulent, les cheveux je tire. Et puis je deviens comme une petite fille. Je vois mon prince charmant à genoux en train de me demander en mariage. Et je suis au top. Je suis la queen lady, la boss et tout. J'ai enfin mon gars. Je dis oui. Et quand je dis oui, quand il ouvre la boîte, c'était un mot, on a dit, je t'ai eu. C'était une blague. Il m'a dit, c'était juste une blague, je t'ai eu cette fois. Et il a éclaté de rire. Il s'est dit, tu vois, cette fois-ci, je devais me venger la dernière fois. Tu m'avais fait une blague de ceci, cela, là.
Elle a dit, oh my God, vous ne pouvez pas savoir. J'ai dégringolé émotionnellement. C'est comme si on m'a coupé le parachute. Je suis descendue, je me suis arrêtée. J'ai dit, mais on ne blague pas avec ça. Je lui ai donné une de ces gifles, ce qu'on appelle les mbata yamokolo. Chez nous, on appelle ça la gifle du gorille. Kamba! Et j'avais des larmes. Et j'étais humiliée parce que tous ceux de la salle ont commencé à rire. Parce que normalement, c'était censé être un moment solennel. On ne blague pas avec ça. Et j'ai arraché mon sac. Et je me suis mise à courir, à arrêter un Uber qui passait par là. Ou bien c'est un taxi là. Et je suis rentrée. J'ai pleuré dans la voiture. Le taximan me demande, mais qu'est-ce qu'il y a, madame? Mais qu'est-ce que je ne pouvais même pas parler. Comment expliquer? Comment il peut jouer avec ça? 5 années de relation. Vous savez ce que le gars a dit? Il a dit, tu blagues, je ne suis pas sur le point de t'épouser. Je ne suis pas encore prêt à t'épouser et tout. C'est-à-dire, il y a même les mots qu'il a rajouté là. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on peut jouer avec quelqu'un comme ça? Est-ce qu'on peut jouer avec les émotions de quelqu'un comme ça? Est-ce qu'on peut... Il est où le sacré? Même si on blague, c'est vrai, on se faisait prank, on faisait plein de choses. Mais est-ce qu'on peut jouer jusqu'à ce level? Est-ce que vous comprenez? Et puis au bout de 5 ans de relation, il me dit, mais je ne suis pas encore prêt à t'épouser. Donc ça veut dire quoi? Tout ce temps-là, il s'amuse, il me perd le temps, donc il ne compte même pas m'épouser. Oui, on n'en avait pas parlé, mais mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place, j'ai quel âge? Et puis ça, c'est que s'il prank avec ça, donc il ne prend rien au sérieux. Donc j'ai vu que notre relation, c'est la blague. Si c'est le cas, I'm not standing with him. Je ne reste pas avec lui. J'ai rompu comme ça là. Sa famille m'a appelé, ma famille m'a appelé, les amis, tout et tout. J'ai bloqué tout le monde et j'ai fait une de ces dépressions. Et depuis, j'ai rompu. Dites-moi, est-ce que j'ai exagéré ma réaction ou bien j'avais raison? J'ai dit que j'allais vous mettre ça là. Venez répondre en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le gars était trop loin ou est-ce qu'elle a eu raison de rompre pour ça ou bien elle aurait dû continuer ou bien dire ah non, c'est rien? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais vous lire.